villageois. Vous êtes tous des villageois dans votre famille ici. Et si tu insultes encore un seul membre de ma famille, je te vis de cette fête. Tu es ici là parce que mon fils le veut. Donc tu me fermes ta bouche là. Je ne ferme pas. Vous êtes des villageois, vous tous. Vous me faites quoi? Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous prions d'accueillir la personne qui nous réunit ici aujourd'hui. Un bâtonnet. Sous vos ovations, s'il vous plaît, veuillons accueillir tous ensemble le bâton, l'intelligent, Monsieur le recteur Piwele. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie infiniment d'être ici. Je ne serai rien sans vous. Il n'y a que le travail, l'intelligence et surtout la présence d'une personne ici qui m'est chère. Je vous prie d'accueillir mon épouse, Madame Piwele. La belle-mère est mécontente. Elle croyait que c'est elle qu'on allait appeler. Merci, ma chérie. Si je suis l'homme que je suis, c'est grâce à toi. On dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Et tu es la grande femme derrière moi. Il ne me remercie même pas. Baga, tu as déjà fait quoi pour lui pour qu'il te remercie? À part l'insulter, l'humilier comme tu sais faire là, il devait d'abord m'appeler avant d'appeler n'importe qui. Je suis son beau-père. Il a vécu chez moi pendant combien de temps? Je vais encore appeler une deuxième personne ici pour remercier. Cette personne a veillé à mon éducation. Monsieur Mbaga se précipite et pas arracher le micro. Merci. Merci mon fils. Bonsoir la famille. Je suis le beau-père de Piwele. C'est moi qui lui ai donné l'éducation. C'est grâce à moi qu'il s'occupe de cette grande dame que vous voyez à côté de lui là, qui est ma fille. Merci. Je suis très fière de toi, fiston. Je suis vraiment très content, très honoré. Que la fête commence. Allez, dansons, dansons. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Ah, meuf. Félicitations. Félicitations encore à vous. Ça sera très difficile d'avoir le recteur, ma chérie. Ferme ta bouche. Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis quittée du Seychelles parce que je voulais venir te voir. Je te dis que ça sera compliqué d'avoir le recteur. Je te demande de te taire. Tu penses que je suis ici là comment? Tu sais quelles sont mes relations? Je suis là parce que je le peux. Et je ne vais pas le draguer, rassure-toi. Il va venir à moi me manger dans la main. Je ne suis pas une fille vulgaire. Tu as fait comment pour arriver ici? Dis-moi. Je t'ai dit que je voulais te voir et j'ai voyagé du Seychelles. Pris le vol depuis le Seychelles jusqu'ici. Tu veux me dire que tu es venu me voir? Pourtant, je t'ai dit que je suis mariée. Comment est-ce que tu expliques ça? Ne me juge pas. Je n'arrive pas à vivre sans toi. Depuis la dernière fois qu'on s'est revus là-bas, je pense sans cesse à toi. Oh, mais je t'ai dit que je suis mariée. Arrête. Mais Kim, je ne peux pas vivre sans toi. Je n'arrive pas. Calme-toi, d'accord? Calme-toi. Comment as-tu déjà eu le billet pour arriver ici? Kim? Qu'est-ce que tu fais là avec ce monsieur et qui est-il? J'étais sur le point de m'évanouir et ce monsieur a bien eu l'amable gentillesse de m'aider. Votre femme dit la vérité. Allons-y. C'est la cérémonie de remise des cadeaux. Tout le monde remet les cadeaux en commençant par Madame Barga, ensuite par Madame Ikanda, Aka, la doudounette. Tout le monde remet les cadeaux, tout le monde est content. La fête est là, on est en train de chanter WhatsApp, yeah. TikTok, yeah. Twitter, yeah. Facebook, yeah. Insta, yeah. Est-ce que le volume est bon? Le coq. Est-ce que le volume est bon? Didi, le son a un vieux goût. Je dis que le son a un vieux goût. Ting, ting. What's up, yeah. Bref, tout se passait bien jusqu'à ce que Karine, Akamimi, vient remettre son cadeau à Monsieur Piwele, le recteur, et ne lâche pas sa main. Parce qu'il s'énerve et commence à leur crier dessus. Lâche sa main, il y a l'aimant sur vos mains, ma chance ici. La soirée continue et l'impresario appelle tout le monde à l'attention
pour annoncer une grande surprise. Une surprise à laquelle Piwale ne s'attend vraiment pas. Un ami d'enfance qui est arrivé pour lui rendre visite, pour profiter de sa fête, pour lui souhaiter tout le meilleur dans son nouveau poste. Mon frère, je suis en ville depuis 3 jours pour les affaires et j'ai appris qu'aujourd'hui tu célébrais la nomination. Je n'ai pas manqué de venir. Merci. Je te présente mon épouse. Elle s'appelle Passy. Enchantée. Mais man, tu as du goût, hein? Tu as vraiment du goût. Précisons que le nouvel ami de Piwale s'appelle Julien. Et dès que Julien arrive, Sophie se sent hyper mal. Elle est gênée, déboussolée, elle est surprise et elle tombe dans les pommes. Alors, en commentaire, j'attends d'après vous, qui peut bien être cet homme et quel impact a-t-il dans la vie de Sophie? C'est quand même bizarre qu'elle ait réagi comme ça juste au moment où il arrive, n'est-ce pas? Alors, répondez en commentaire massivement, partagez la vidéo et on se retrouve demain pour l'épisode 2 de Madame, Monsieur. Mais ne mettez pas quand même les organes en commentaire, on se connaît.